Good morgen, allez, Iden et Susra, aujourd'hui, Léolou Nishmat, Janine Ruth, Bat Fortune et Mazal Fritna, Léa Chaya, Bat Mazal Tov, Lucienne Batreina et Claude Bechelomo Ben Shalom. Si vous souhaitez vous dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étions Messechet Getin, Perek Alef Mishnah Gimel, Meviget Mimedin, Beret Israël, Eno Tsarir Shayomar, Befanaï Nirtav, Befanaï Nirtam. Im Yashalav, Aurerim, Itkayem, Bechotamav, Bechotamav, Meviget Mimedinat Ayam, Ve Eno Echol Lomar, Befanaï Nirtav, ou Befanaï Nirtam. Rappel, lorsqu'on apporte un get de Chutzlaretz en Eretz Israël, le témoin, celui qui est le chaliar, qui est l'envoyé qui le rapporte, doit nécessairement témoigner que Befanaï Nirtam, Befanaï Nirtam, nous dire qu'il a été, le get a été écrit devant moi. Comme ça, après, on va pouvoir le questionner pour s'assurer qu'il a été écrit en bonne et due forme. Il a été écrit l'Ishma. Comme les règles le requièrent. Ah mais maintenant, la Mishnah me dit comme ça. Lorsque tu apportes un guet par contre d'Eretz Israël, par exemple, du nord au sud, et même pire que ça, la Gemara le précise, même lorsqu'à l'époque, il y avait des guerres à l'intérieur d'Israël, il y avait le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël, où il y a Chatrerum, c'était ça ces dominations, après il y a eu des dominations perses et des dominations grecques et des dominations de Rome. Et il y avait, même des fois, on ne pouvait pas passer d'une ville à l'autre. Malgré tout, s'il apporte un guet à l'intérieur d'Eretz Israël, d'une ville à l'autre, il n'a pas besoin de témoigner, parce qu'on sait que le guet, il est écrit en bonne et due forme. Et malgré tout, maintenant, il faut bien comprendre, le fait de ne pas avoir besoin de témoigner, que le témoin témoigne qu'il est écrit et signé devant lui, c'est sûr que ça économise qu'on peut plus facilement trouver des témoins. On gagne de ce côté-là, c'est je m'explique. Selon, si jamais un témoin il doit nécessairement dire que Befanaï Nirtam, Befanaï Nirtam, ça signifie que si Réhouven, qui est en Amérique, il écrit un guet à sa femme, Rachel, qui est restée en Israël, il faut nécessairement que le témoin qui va le prendre, il va être écrit et signé devant lui. Parce qu'il ne pourra pas maintenant se contenter qu'ils vont écrire un témoin au Beddin et qu'on va attendre qu'il y ait quelqu'un qui va en Israël. C'est une situation, c'est un peu compliqué. Ça demande quand même, c'est des conditions un peu embêtantes, un peu compliquées à accomplir, qu'il faut être sûr que maintenant, ah, on a appris qu'il va y avoir un tel qui va partir prochainement en Amérique, on va lui dire, viens, qui va partir en Israël, alors on va lui dire, viens, on va écrire un guet devant toi, comme ça tu peux voir l'amener à sa femme. Ça requiert des complexités un peu. Alors que si on avait la possibilité d'écrire un guet facilement, on écrit le guet, on attend qu'il y ait un envoyé qui vienne, on lui dit, viens, on a un guet à donner, on te le donne. Concrètement, ça ne marche pas de faire une chlichoute pareille, parce qu'il faut que l'envoyé il soit témoin sur la manière comment il a été écrit. Ça complique. La Mishnah m'enseigne maintenant que quand tu as un terre d'Israël et tu l'envoies d'une ville à l'autre d'Israël, tu n'as plus besoin de dire que Itkaïm Chotamav. Donc de ce côté-là, tu as gagné, c'est plus facile à trouver des envoyés qui vont te l'envoyer. Mais malgré tout, sache que tu perds au change, un détail, que si toutefois tu l'apportes et que le témoin, il n'a pas témoigné parce qu'il n'en sait rien. Si un jour, après 10 ans, la femme, elle a reçu son guet, elle va se marier, et le mari qui va débarquer, il va dire ah, tu t'es remarié, mais je t'ai jamais envoyé un guet. Le guet qui t'a envoyé, c'était vide, c'était falsifié. Moi, je t'ai jamais envoyé un guet. Imaginez la situation, l'angoisse. Elle a déjà maintenant des enfants, c'est des mamzerim, elle doit divorcer de lui, de l'autre. Comment on va faire? Donc, il va falloir, après coup, on va dire à la femme, bon, pour le moment, retire-toi de ton nouveau mari, viens, on va éclaircir ce qui se passe, il va falloir qu'on cherche des témoins, qu'on se casse la tête à trouver des témoins. Nihon. Alors que si l'envoyé, quand il était venu, il avait dit « Befanaï Nirtam, Befanaï Nirtam », on aurait reçu son témoignage, même s'il est tout seul, on le reçoit comme un témoignage qui compte comme deux, et le mari, il ne peut plus venir contester sur la cacheroute du guet. Donc, quand c'est vrai, juste avant qu'on lise la Mishnah, je cherche juste à mettre en exergue le fait que si on requiert de dire « Befanaï Nirtam, Befanaï Nirtam », c'est plus compliqué à trouver un chaliar, mais on gagne en contrepartie qu'on évite ensuite des complexités. Alors que si jamais on n'a plus besoin de dire Befanaï Nirtam, Befanaï Nirtam, tu gagnes que c'est facile à trouver un envoyé, mais tu perds que si jamais il y a un problème, il va falloir retrousser les manches et faire une enquête jusqu'à qu'on retrouve des témoins qui vont nous dire oui, c'est un bon guet, Befanaï Nirtam, et que oui, c'est un bon guet qui a été signé par tel et un tel, on reconnaît leur signature, il va falloir te mécaillem le guet. Alors, c'est ce que la Mishnah, maintenant, elle vient et elle me dit comme ça. La Mishnah, elle me dit, sache que à l'intérieur d'Israël, t'es pas obligé de dire Befanaï Nirtam, Befanaï Nirtam. Cependant, im yashalav orerim, itkaim bechotamav.
puisque le témoin, il a plus dit, puisque le chaliach l'envoyé, il a plus dit Befanaï Nirtam, Befanaï Nirtam, alors si toutefois il y aura ensuite une contestation, c'est-à-dire le mari qui va venir, qui va dire, moi je t'ai jamais envoyé un guet, eh bien, Itkayem Bechotamav, on cherchera les témoins relatifs qui vont pouvoir certifier conforme les signatures des témoins pour ensuite dire que le mari arrête tes histoires, arrête de vouloir casser les pieds à ton ex, laisse-la tranquille, c'est bon, le guet, mais il faudra ensuite chercher Itkayem Bechotamav. De même, on parle d'une situation assez complexe, parce qu'en fait, on parle de quelqu'un qui a envoyé un guet de Medinat Hayam. D'accord ? Il est donc en Ariouen qui est en Amérique, il a trouvé Yaakov qui va voyager, qui va venir en Israël, il a écrit le guet, il l'a envoyé de lui, Yaakov il arrive en Israël, et il ne peut plus dire Befanaï Nirtam, Befanaï Nirtam. Pas parce que, attention, précision, je rentre pas dans les détails, on verra ça quand on sera plus loin dans le Mishnayot, mais concrètement, il ne peut plus le dire, de manière générale. S'il ne peut plus témoigner Befanaï Nirtam, Befanaï Nirtam, en théorie, il ne peut plus donner le guet on le considère comme invalidé. Mais si toutefois, quand il arrive, il perd sa langue, il ne peut plus parler. Ou même pire que ça, une fois qu'il a donné le guet, il est devenu fou. Il a perdu la tête, il a perdu. Donc il ne peut plus dire Befanaï Nirtam. Là, c'est la seule situation où Chachamim, on fait une coula, on a dit, bon, tu sais quoi, on va quand même, puisqu'on a vu qu'un envoyé qui l'a abandonné, on va donner le guet, mais quoi, on va donner le guet, a posteriori, il est bon. Mais imiesh alav edim, et si. Et im. Ken. Et alors, on va dire à l'envoyé, on va dire, bon, l'envoyé, il ne peut plus parler, il a perdu la langue, il a perdu la tête, il n'est plus là pour témoigner. Alors, ce qu'on va faire, c'est que imiesh alav edim, itkayem bechotamav. Si, toutefois, on va trouver des témoins, alors on va dire, bon, le guet, le chaliar, il ne peut plus dire befanaï nirtam. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va. On va maintenant passer on va diffuser que maintenant, on a un guet qui est arrivé d'Amérique. On est bloqué avec ce guet qu'on ne peut pas le donner. S'il y a quelqu'un qui reconnaît les signatures de deux témoins qui viennent au Bedin, on a besoin d'eux. Et le guet, on va le garder pour le moment au Bedin, jusqu'à ce qu'on va voir que Itkayem Bechotamav, que des gens vont venir témoigner sur les signatures, qui vont dire oui, je reconnais la signature de tel témoin, et je reconnais la signature de tel témoin. On va avoir deux témoins sur l'un et deux témoins sur l'autre pour témoigner sur la. Pour certifier les signatures, et dans ce cas-là, seulement après, on pourra le donner, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.